Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit sachet, enfin un porte-sachet de thé. Voilà. En forme d'enveloppe comme ça, avec un accordéon. Et à l'intérieur, on peut mettre deux sachets de thé. Donc un par ici. Il y a une poche à l'intérieur. Et il est fermé avec un tout petit ruban et en décoration toute simple, juste du papier avec du foil et un petit nœud de chaque côté. Donc moi j'en ai déjà préparé 3, j'en ai 10 à faire, donc on passe au tuto. Donc on va avoir besoin d'une feuille d'un bloc 15-15, quel que soit le bloc, hein. Moi ici c'est un bloc de chez Action qui date de quelques années. C'est du papier qui n'est pas très très épais, il n'y a pas besoin qu'il soit épais parce qu'il faut absolument que ça reste fin, que ça reste pas difficile à plier parce qu'on va quand même avoir beaucoup de plis. Donc on a notre feuille 15-15, on va d'abord commencer par la plier sur la diagonale. Donc on met l'angle sur l'angle et on rabat de façon à avoir la diagonale. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on plie à 1 cm du bord de cette diagonale. Pour ça, moi, je vais utiliser mon équerre qui fait les graduations en parallèle. Et je vais venir me mettre, donc là, sur la ligne des 1 cm, comme ceci. Une fois que je suis bien placée, je relève et je fais mon pli. Et ensuite, on le marque comme ceci. Je suis un peu en biais. Hop. Donc on a notre pli qui a été fait comme ça. On va donc le déplier. Voilà. Ensuite on va rouvrir notre feuille. Et on a donc 3 plis. Le premier à 1 cm du milieu, le deuxième au milieu et le troisième du moins à 1 cm de l'autre côté. Ensuite on se met dans l'autre sens. Sur ce sens-là, on va simplement marquer... alors moi je mesure quand même parce que je voudrais être sûre de mon coup. Alors c'est avec celle-là non plus. Donc la diagonale fait 21 cm. On va devoir la partager en 3. Donc 21, c'est un multiple de 3, c'est parfait. Donc on va plier à 7 cm. Je vais garder ma règle pour mesurer. Donc on se met sur le pli du milieu. Et on vient... marquer à 7 cm et à 14 cm. Donc on va se mettre comme ça sur l'extérieur. La pointe, on va la mettre sur le pli du milieu, comme ceci. Et on va venir là où on a fait la marque, faire un pli. Et on va faire exactement la même chose de ce côté-ci, le pli sur le milieu. Et on fait le pli. Donc on a donc cette fois-ci nos 3 plis dans ce sens-là et nos 2 plis dans ce sens-là. Et on a terminé. Donc ensuite, on va rabattre dans ce sens-là. Alors moi, là, j'ai 1 mm qui va dépasser. Donc ce que je vais faire, je vais juste tricher un petit peu et modifier légèrement mon pli. Comme ceci. Ensuite, on rabat le deuxième. Voilà. Ensuite, on va rabattre
le pli à 1 cm du milieu vers l'avant. Le pli vers le milieu, on le plie à l'intérieur. Et l'autre à l'avant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec comme une enveloppe, mais avec un accordéon au milieu, comme ceci. Ensuite, on va prendre la perforatrice. Donc moi, j'ai pris une perforatrice d'angle avec des cœurs. Vous pouvez prendre n'importe quelle perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, faites simplement avec une simple trouetteuse. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, une perforatrice qui ne soit pas d'angle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire avec l'angle. Par contre, je vais être obligée de la vider parce qu'elle était pleine. Voilà. Et ensuite, on vient prendre l'angle ici et on vient faire une perforation. Hop, avec des cœurs. Des deux côtés. Comme ceci. Ensuite, on prend un morceau de ruban. Donc le moelle morceau de ruban. Parce qu'on va me le demander. Il fait un tout petit peu plus de 15 cm. Donc je le plie en deux. Je prends le milieu du ruban. Et je vais venir le fixer dans le cœur du milieu ici. Tout simplement. Mais pour l'instant, on le laisse de côté parce qu'on va d'abord s'occuper de fixer l'intérieur de la boîte. Alors, en ouvrant ici, on prend un tout petit morceau de double face. Il n'a pas besoin d'être très grand, il n'a pas besoin d'être super qualité. Donc, du double face de chez Action, ça va amplement. Vous voyez, je prends à peine 2 cm. Je le place en plein milieu ici. Là, c'est juste histoire de sécuriser que notre boîte ne s'ouvre pas. On replie l'accordéon. Voilà. Et à l'intérieur, on va pouvoir venir glisser 2 sachets de thé. Hop. Et hop. On essaie de ne pas mettre 2 fois la même chose. Celui-là. Donc on en met un ici. Donc ils vont dépasser là dans le, au niveau des enveloppes, mais c'est pas grave, de toute façon c'est fait pour être vu. On essaie de les mettre dans le sens pour qu'on les voit quand on ouvre. Voilà, donc ça dépasse pas de beaucoup. Notre ruban, on va le passer dans le cœur du haut, donc dans le trou du haut pour ceux qui n'ont pas fait avec la trouetteuse cœur, comme ceci. Et on vient passer dans la boucle de ce côté-ci. Et quand on tire sur la boucle, on fait attention parce que comme c'est du papier fin, il ne faut pas déchirer le papier. Voilà. On a notre enveloppe qui est faite avec nos 2 sachets de thé. On n'est pas obligé de la décorer. Moi, je vais simplement y coller 2 petits nœuds que j'ai eu dans un lot de choses que m'a donné ma sœur. Donc, voilà. Donc, on prend notre petit nœud. Un tout petit point de colle à l'arrière et on vient le placer en dessous de la perforation cœur et on fait la même chose de l'autre côté. Parce que bien sûr, on peut voir des deux côtés. Et on a donc notre petite décoration porte-thé. Voilà. Donc moi, j'en avais préparé 2 autres le temps que le pistolet à colle chauffe. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Et en fait, ça permet quand même de, bah, d'envoyer un petit plus quand on a simplement un petit mot à envoyer. On peut très bien vite fait faire un petit plus pour mettre avec, avec la carte, avec si vous envoyez une memory dex, choses comme ça. Un petit scrap bidule qui associe le scrap et le plaisir. Après, si vous savez que la personne n'aime pas le thé mais qu'elle boit du café, vous pouvez aussi mettre un sachet de café ou bien alors glisser une petite... vous savez, les petits sachets d'After Eight, là, parce qu'ils sont assez fins. Et puis voilà, vous mettez en fonction de la personne et de ses goûts, bien entendu. Moi, j'aime bien mettre du thé parce qu'en général, les gens aiment bien du thé. Et au pire, ils offrent à leurs invités
s'il n'aime pas le thé. Donc, et donc, on a nos trois décorations. Hop. Donc, moi, j'en ai d'autres à préparer parce que j'ai plusieurs envois à faire. Donc, j'ai encore deux feuilles avec du foil comme ça. Et j'avais déjà deux autres comme ça que j'ai préparé aussi. Tout simplement. Donc, ça va m'en faire au total déjà 7. Il va falloir que j'en fasse encore parce que j'en ai une petite dizaine à envoyer. Donc, là-dedans, j'ai plus de feuilles. Ça fait un peu tristouner. Donc, je vais prendre, j'ai un autre bloc comme ça avec du foil. Donc, je vais en faire d'autres. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tuto très rapide. Mais histoire de faire des petits envois à nos scrap copinettes. Dites-moi si vous allez le refaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.